ce spectacle un petit peu audacieux, mais belle performance. Deux acteurs pour 15 comédiens. 15 personnages, mais plus que ça. 25, il en reste 25. Il en reste 25. Et une pièce de 2h30, très judicieusement racontée. Non, c'était très chouette. Et bon, bien sûr, on aime tous, la plupart des gens ont déjà vu cette pièce, mais on aime la revoir et la revoir toujours avec un super plaisir. Là, et vous, c'était encore une nouvelle version qu'on ne connaissait pas, et c'est encore autre chose. C'est très chouette aussi. Cyrano. Continuez à découvrir Cyrano en permanence. Ben oui, c'est sans fin. Vous revisitez ce genre de quoi. Ben oui. Et comment est né le spectacle? Voilà, vas-y, explique. Comment est né le spectacle? C'est dit la vérité. Le spectacle, c'est né... chez ton psy. De mon psy, chez qui je faisais une déprime parce qu'on faisait toujours jouer les mêmes rôles parce que c'était les choses que je faisais facilement et que les metteurs en scène ne se posaient pas de questions. Et il m'a dit, mais revenez à l'essentiel, vous avez voulu faire ce métier pour jouer quel rôle? Roxane. On va monter Cyrano. Oui. Je vais pas, si je monte Cyrano, je ne peux pas jouer Roxane. Il y a 25 gars sur scène, je ne vais pas diriger 25 gars et jouer dedans en même temps. C'est absurde. Oui. Et puis il y a une copine qui m'a dit, mais monte-le à deux. À deux? Oui. Et je fais, hein, je vais réfléchir. Puis à ce moment-là, je travaillais avec Thomas sur un autre spectacle qui n'avait aucun rapport. Puis j'entends Thomas parler d'un Cyrano dans lequel il a joué, puis dans lequel il n'a pas pu faire des trucs qu'il avait envie de faire. Et je suis allée voir, je fais, tu veux, on se met Cyrano à deux et on fait comme on veut nous. Elle fait, ouais, ok, je te préviens. Hein. Par contre, telle scène je la coupe comme ça, telle scène tu ne la coupes pas, et moi Cyrano je la coupe comme ça et pas autrement. D'accord. Moi je veux telle scène, telle scène je la coupe comme ça et ça ne sera pas coupé. D'accord. Bon, voilà, on a commencé à faire comme ça. De toute façon, vous avez gardé le plus beau, évidemment. Oh, il y a des trucs. On a gardé nos moments de cœur. Enfin, oui, après il y a les feuilles de septembre. Oui, mais il y a des passages, il y a un peu de tube. Les feuilles de septembre qui ne sont pas là. Et c'était la deuxième représentation? Alors là, c'était la deuxième, oui, à la Folie Théâtre. Ouais. On en est à plus de 130 maintenant. C'était à la deuxième de la reprise à la Folie Théâtre. Voilà, c'est ça. C'est la deuxième de la deuxième reprise. Non, de la reprise, parce que c'est déjà la deuxième. Oui, on va en avoir beaucoup encore. J'espère. Oui. On travaille pour. Bah, on commence à prendre les 150 représentations. Ouais, mais pas loin. Ouais. Après, si jamais des gens arrivent qui ont déjà vu notre spectacle... Il a changé. Pour lui. C'est bientôt 150e, je ne sais plus dans combien de temps exactement, mais dans une dizaine de représentations, c'est la 150e. Ouais, c'est ça. 150e, oui. Ouais. Par contre, la Céno, la nouvelle Céno, les nouveautés, c'est la deuxième ce soir. Donc il y a plein de nouveaux trucs. Même nous, pour nous, c'est nouveau. Mais c'était une surprise. Il y a une pierre. Il y a une pierre qui fait des trucs incroyables. Ça, on l'a vu tout de suite. Mais faut pas le dire. Faut pas dire quoi. Il y a plein de surprises. Il y a un nouveau personnage qui est maintenant dans la pièce. Les rideaux aussi. Oui. Mais il ne faut pas dire, c'est la surprise pour les spectateurs. Mais évidemment. Il y a plein de surprises à voir dans ce spectacle. Ah, mais ça, s'il y a. Alors, ça, oui. Et la naissance de la pièce, c'est ça. Et c'est né de moi qui ai fait ce métier entre autres sur ce personnage-là, que j'adore, avec toute cette pièce que j'adore. Et de Thomas qui, moi, il m'avait dit. Avant, j'étais un petit con, puis un soir, mes parents regardaient la télé, puis j'ai regardé par la porte, puis j'ai vu Cyrano en planqué, alors que je ne pouvais pas aller au lit. Et j'ai vu la pièce, j'ai pris une plaque et j'ai arrêté d'être un con. J'ai commencé à vouloir faire des choses intéressantes. Ouais, c'est vrai, c'est ça. J'avais 14 ans et en fait, c'était mon père qui regardait la personne avec Soralé. Et je suis arrivé au moment. Je suis arrivé au début, je n'ai pas vu la tirade des neiges, j'ai vu juste après quand Cyrano il parle à Lebray et qui lui dit, et d'ailleurs je pense que c'est le passage qui est le plus révélateur de toute la pièce. Alors je sais pas parce que si j'ai chopé à ce moment-là ou quoi, mais c'est. Oui. Qu'est-ce que c'est ce passage? À un moment il m'échappe. Le passage? Oh, je... Ah non, c'est quoi? Oh, je ne me. Non, je sais plus. Ouais, je vois, je sais plus. Oh, je ne me fais pas d'illusions par bleu. Oui, quelquefois, je m'attendais dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de neige hume la rue. Je suis des yeux sous un rayon d'argent bras d'un cavalier, quelques femmes en faisant. Pour marcher à petits pas dans de la lune, vous savez. Il le dit bien. J'aimerais au bras me voir. Je m'exalte, j'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Je pense que tout est dit dans la. Tu connais bien le texte. Oui, tu connais bien. Mieux, là, Et d'une façon poétique en plus. Il y a une carte aussi. Mais quand même, sinon, sinon ça sert à rien. C'est ça. Alors c'est ce que je m'étais dit. La première fois que je l'ai joué, parce qu'au début, alors c'était très drôle. J'avais auditionné pour Christian dans une autre version. Je suis passé l'audition pour Christian, elle m'a dit, vous voulez pas jouer de guiche? Je suis revenu auditionner pour de guiche.
Elle m'a dit, vous voulez pas jouer Merlin? Je fais, mais il n'y a pas de Merlin dans Cyrano. Bon, alors du coup, je faisais deux spectacles, je jouais dans son Merlin, et bref, voilà. Et au début, je jouais de Guiche, et puis un jour, le comédien qui jouait Cyrano a voulu lever un peu le pied, donc j'ai alterné avec lui. Et le jour de la première, je me suis dit, putain, ouais, en même temps, alors. Il faut savoir que mon nez a grandi avant le reste, de 14 à 16 ans, j'ai ramassé sur mon blaze sévère, donc ça je sais ce que c'est. Et puis, j'ai aimé, je peux le dire maintenant, elle n'en voudra pas, Caroline Bayon pendant 7 ans. Voilà. Le nom enfin révélé. Oui, le nom enfin révélé de la Roxane de mon cœur. Le jour de la rentrée de 3e, je discutais avec mes potes devant le collège, donc on imagine, on est un matin de septembre avec le ciel et les nuages oranges comme ça au lever du matin comme ça. Et je parlais avec mes potes et tout à coup je me retourne et je vous jure, vous me croyez pas, hein, mais bon, je sais pas si on le voit au cadre, mais au niveau du portique de Saint-Ambroise. Oui, je le vois d'ici. J'ai vu dans ses yeux bleus les reflets des nuages oranges. Vous me croyez pas. Je suis tombé séché direct. Cette nana, je l'ai mise là-haut, mais pendant des années, je lui ai présenté tous les mecs possibles. J'ai jamais, je lui ai dit, j'avais tellement, je pouvais pas. Je lui ai même présenté son mari, et le seul coup de pute que je lui ai fait à ce mec, c'est de pisser dans son jus d'orange dans un café. Voilà. Mais elle s'est mariée avec lui. Voilà. Donc, savoir ce que c'est que d'aimer une nana pendant des années, de pas lui dire. Et c'est ce qui m'a fait me dire, ok, des grands sont passés, mais moi, j'ai des choses à dire là-dedans. Moi, j'ai vécu tout ça. Eux, ils l'ont inventé ou pas, d'ailleurs, et je m'en branle en fait. Mais. Voilà. Et en fait, moi j'ai la chance de jouer Cyrano de Bergerac avec un mec qui est Cyrano dans la vie. Oui, mais ça c'est pas. Il incarne bien son personnage. Ah non, mais il est ça. Oui. Il y a avec, quelque chose de ça. Avec des. Ouais, non, il y a quand même des choses qui font partie de ton travail de comédien. Oui. Mais ça quand même un truc. Après, je me frite pas avec. Non, je me frite rarement. Enfin, j'engueule les gens, mais oui, je me frite. Plus que tu dis. Voilà, je me bats très rarement. Même pas du tout. Non, mais t'as le caractère un peu. Ah oui, ça, quand ça pète, ça pète. C'était bizarre d'avoir la même fin que Cyrano. peut-être. Non, mais cela dit, voilà. Voilà, tout ça pour vous parler du spectacle qui se joue là, en ce moment. Qui se joue en ce moment à la Folie Théâtre, donc les jeudis à 19h30, les samedis à 18h, les dimanches à 16h30. Venez vite, nombreux. Hein. Voilà. Venez vite, vous n'allez pas être déçus. Ah, c'est clair. Vous n'avez jamais vu ça. Ah, ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ah, ben, ça, c'est.